là, d'être là aujourd'hui pour cette neuvième, déjà la neuvième journée nationale annuelle de la filière tête-cou. Merci beaucoup d'être là et on est très heureux que le succès soit au rendez-vous puisqu'on a de plus en plus d'inscrits hein, tous les ans. Cette année, plus de 300 inscrits, à la fois dans la salle et qui nous suivent en direct et en différé après, avec, comme vous le savez, un enregistrement et une accessibilité de toutes les interventions d'aujourd'hui disponibles voilà, sans limite de temps sur le site de la filière. Je le redirai plusieurs fois. Merci. La première chose, c'est que, comme tous les ans, ça se veut interactif et vous avez le moyen, vous dans la salle et vous à distance, de poser des questions. Voilà le programme d'aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, donc, avant les questions, la thématique de l'année, donc, sur les relations entre la ville et l'hôpital, le lien ville-hôpital. Nous avons des intervenants donc, très, très divers et ce qui nous permettra de survoler de manière vraiment complète, je l'espère, les problématiques et ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, effectivement. Donc, on sort de la thématique habituelle tête-cou, recherche chirurgicale, médicale, etc. Mais c'est vraiment quelque chose dont on estime qu'on peut vraiment en tirer des enseignements importants. Donc, comme je le disais, voilà, une matinée interactive. Vous avez la possibilité, ici, dans la salle et à distance, de poser des questions, soit en flashant ce code ici, soit en vous rendant directement sur le site de la filière, où il est possible, les liens sont bien faciles à trouver, de poser des questions. Et voilà, une première petite question. Hein, quelle thématique ou quelle thématique au pluriel souhaiteriez-vous aborder lors des prochaines journées de la filière? Je vois une forêt de téléphones qui se dresse. C'est très bien. Okay. De bref rappel, la filière tête-cou, ben, qui sommes-nous? Une fédération de réseaux de référence qui prennent en charge des maladies rares, hein, plus de 2000 maladies rares, on va y revenir juste après, des malformations de la tête et du cou, essentiellement chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, voilà, avec encore une fois une très très large gamme de pathologies, ça vous le savez très bien. C'est 5 réseaux de référence, c'est presque 100 centres de compétences, 8 centres constitutifs, près de 40 laboratoires de recherche, autant d'associations de malades et encore une fois plus de 2000 pathologies qui sont prises en charge avec un maillage territorial que l'on cherche tous les ans et très régulièrement à élargir pour avoir la meilleure couverture possible pour les patients. Donc des centres d'expertise, des associations de malades et surtout des équipes de recherche. Et je vais revenir sur le fait que tous les ans il y a des journées recherche et on travaille beaucoup à développer la recherche et le lien entre les chercheurs. Ces 5 réseaux, c'est Aurare pour les malformations donc dentaires, Craniost pour les craniosténoses, Praton pour les troubles de la succion déglutition et les séquences de Robin, Mafas pour les malformations faciales et Malo pour les malformations ORL rares. Voilà. Un petit aperçu de la répartition territoriale de ces centres. Hein. Alors, je le redirai 10 fois dans ce topo, mais toutes les informations sont disponibles sur le site de la filière qui est très régulièrement mis à jour et enrichi, hein, donc vous avez tout. Voilà. Donc, il y a encore quelques trous dans la carte, hein, mais on travaille bien sûr à développer les partenariats et à inciter les équipes à construire éventuellement des centres de compétences. Ça se fait très régulièrement, plus de 100 centres. Les équipes de recherche, les voici. Récemment, il y a eu un gros travail de mise à jour de toutes les coordonnées qui a été fait. Donc là aussi, sur le site, vous trouvez bah, toutes les coordonnées pour entrer en contact avec les équipes qui pourraient vous intéresser, hein, dont les thématiques de recherche pourraient vous intéresser. Tout est là et tout est disponible. Pareil pour les associations, et régulièrement, on reçoit des nouvelles candidatures et jusqu'à présent, c'est toujours arrivé, hein, quand la thématique correspond effectivement à ce que l'on prend en charge dans tête-cou, eh bien, on s'associe avec l'association, c'est favoriser bah, le développement, la recherche, la communication, les échanges, l'information des patients et de leurs familles, etc. Donc c'est vraiment très important et on aime beaucoup travailler avec les associations. L'équipe, la voici, donc Myriam Chalandard, notre chef de projet qui est ici, merci beaucoup pour tout ce travail, Nicolas Deboulanger et moi-même. Marie-Danielle, Claire Chef-Gesse, Fanny Rollin, Alexandra Jiménez, Sonia Pavant et Denia Zaidi, une équipe voilà, que je remercie maintenant et encore après tout le travail fourni, non seulement pour cette journée, pour les autres, et tout au long de l'année, vraiment, ça marche très très bien. Un aperçu de nos missions et de nos actions, avec les actions les plus récentes, donc les 4 axes principaux, hein, le parcours de soins, la recherche, la formation et l'information, et le développement à l'Europe, donc au niveau national, européen et international, au-delà des limites européennes. Le parcours de soins, alors il y a plein de choses, hein, bien sûr, encore une fois, tout est sur le site. Les clés du diagnostic, je vais revenir un petit peu après, l'étude sur le médicament, sur le dispositif médical, les cartes d'urgence, les études sur la vie professionnelle, sur la transition enfant-adulte, le soutien à la rédaction et au développement des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, donc plein de choses qui sont menées de front en permanence et avec les différents réseaux, les différentes équipes. L'an dernier, la journée portait sur la transition enfant-adulte et tous les résultats et l'enquête qui avait été faite est encore disponible, vous pouvez encore y répondre, donc on décortique les résultats. En tant que patient et aidant ou professionnel de santé, n'hésitez pas, un deuxième QR code, mais
Voilà, pas de panique, tout est disponible également sur le site. Éventuellement, on pourra faire un retour lors de la prochaine journée s'il y a des données nouvelles qui apparaissent. Il y a déjà des éléments sur la coordination ville-hôpital sur le site, hein, avec donc des informations dédiées à la prise en charge de proximité pour tout le monde, hein, et par spécialité. Pour les professionnels de santé, des ressources en orthophonie, en kinésithérapie maxillofaciale, c'est un partenariat assez récent mais qui nous intéresse beaucoup, ou éventuellement par signe d'appel, et c'est là que reviennent les clés du diagnostic, qui sont des fiches diagnostiques simplifiées et surtout synthétiques, en fait, à destination des médecins traitants, mais aussi éventuellement des familles. Voilà, les trois premières seront très prochainement disponibles et on espère qu'il y aura un bon retour et surtout une bonne consultation de ces clés du diagnostic. La simulation aussi, hein, très important. Ces outils donc, sont disponibles, hein, sur le site, en partenariat donc, avec le Collège de médecine générale. Et les clés du diagnostic, voilà, le lien, enfin plutôt l'adresse est disponible. Nos fiches seront, encore une fois, visibles très prochainement. Les voici sur la dysphonie de l'enfant, le stridor et l'insuffisance vélopalatine. C'est moi qui l'ai rédigé en plus, donc c'était... Il était malvenu d'en oublier la thématique. Ok. La coordination, c'est aussi des interventions dans les congrès, hein, médicaux, paramédicaux, les réunions professionnelles, partout sur le territoire, dès que c'est nécessaire. Des outils d'information qui sont disponibles pour tous en libre accès, hein, sur le site. Et on est toujours ouvert à toutes les suggestions quant à la rédaction, à l'amélioration de ces outils. Et en fin de communication grand public, à la fois dans des revues professionnelles, mais aussi des journaux voilà, généraux. On a eu la chance de faire un petit encart dans Le Monde il y a quelques mois, par exemple. Hein, c'est une belle publicité et un beau moyen d'information pour très, très grand public. Alors, aujourd'hui, donc la coordination ville-hôpital, on a lancé il y a quelques mois maintenant une enquête dont vous avez peut-être eu connaissance et à laquelle j'espère vous avez déjà répondu. Alors, ça reste possible maintenant, même si évidemment les résultats qui vous seront présentés tout à l'heure ne concernent que les gens qui ont répondu récemment. Donc Claire Chevias vous fera tout à l'heure un retour sur ce que l'on a récupéré comme information et c'est très intéressant par beaucoup de points. À la fois donc, les professionnels hospitaliers, les professionnels de ville et les patients et aidants. Tout le monde est invité à répondre à ce questionnaire. La recherche. La recherche, tous les ans, donc, nous faisons une journée recherche avec des thématiques variées, les plus transversales possibles, avec depuis 2 ans maintenant des intervenants internationaux hein, qui viennent. Donc c'est un grand plaisir. Ce sera le cas déjà à la prochaine journée recherche dont je vous indiquerai la date juste après. Donc forcément avec une journée qui est un peu bilingue, hein, puisqu'on est obligé d'échanger en anglais, mais ça ne fait qu'augmenter la qualité bien sûr des échanges et des informations que l'on peut récupérer. De toute façon, tout est disponible en replay à chaque fois hein, sur le site après quelques temps de montage. Bientôt, le nouvel appel à communication pour cette prochaine journée, donc le 7 mars prochain, hein, cochez la date sur vos agendas, 7 mars 2025, la prochaine journée recherche et innovation de la filière tête-cou. Des appels à projets, puisqu'il y a une veille d'appels à projets, une veille scientifique, hein, donc là aussi tout est mis à jour sur le site, des webinaires, et le prochain c'est le 21 novembre, cochez bien la date, hein, sur la recherche sur la trachée, avec Louzine Arakelian, Hervé Kempf et Briac Thierry, que je remercie d'être présents dans la salle. La réunion préliminaire était très intéressante, et je pense que les échanges seront fructueux sur cette thématique. Enfin, la recherche communique et la newsletter qui va bientôt arriver, une newsletter de fréquence à déterminer, probablement biannuelle, en tout cas 2 ou 3 numéros par an, avec un numéro, le premier est déjà bouclé, hein, il est prêt, dédié à la recherche avec une thématique, la présentation d'un chercheur. Et voilà, le but est de faire connaître aux autres et d'éventuellement mettre en connexion, en contact les différentes équipes entre elles, afin de dynamiser et de faire avancer les projets pour qu'il y ait le moins possible d'équipes qui travaillent dans leur coin et que tous les appels à projets et les financements disponibles, hein, parce que c'est quand même ce qui est presque le plus important dans la recherche, hein, c'est de récupérer l'argent pour avancer, tous les sources de financement soient accessibles et connues. D'autres actions à venir. Développer la formation et l'information avec une veille vis-à-vis de l'organisation des congrès. Tout est disponible sur le site à nouveau, avec une nouvelle mouture de présentation qui est plus facile d'accès, avec par thématique et par discipline les différents congrès à venir, avec toutes les infos disponibles. Des symposiums, des webinars, des workshops, voilà, plein de choses récentes. Je ne vais pas dans les détails puisque ce serait beaucoup trop long. Et bientôt, en cours, pardon,
l'appel de soutien à la formation. La date de clôture des candidatures, c'est le 11 novembre, donc vous avez encore un petit mois pour les déposer. Nous sélectionnerons les lauréats fin novembre et avec une annonce des résultats début décembre. Donc c'est le financement de congrès et de formation pour les jeunes professionnels. Vraiment, n'hésitez pas à postuler et évitez s'il vous plaît la veille 5 minutes avant la clôture. Encore une fois, tout est disponible sur le site, hein, toutes ces infos, tout ce dont je viens de parler, y compris bien sûr les règles de candidature pour les appels à projets. Il y a également des fiches d'information sur les pathologies avec des illustrations originales que nous avons fait faire, sur les traitements disponibles, sur le parcours de soins et sur l'accompagnement médico-social, des fiches qui sont enrichies et mises à jour le plus régulièrement possible. Des ressources pour les professionnels et pour les patients, donc l'annuaire des centres, bien sûr, mise à jour aussi le plus régulièrement possible pour que ces liens soient valides. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir un numéro, un mail auquel, duquel il n'y a absolument personne quand on cherche un contact, les cartes d'urgence et différents manuels de prise en charge des pathologies qui ont été développés par les professionnels de la filière, et les liens, enfin, les dossiers et les liens vers les différents protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Je vous rappelle qu'un PNDS, hein, c'est un document que chaque réseau de référence a l'obligation de rédiger ou de mettre à jour chaque année et qui traite d'une pathologie, donc de la prise en charge ou de la thérapeutique en tout cas. Hein, c'est une mise au point destinée au grand public et aux professionnels de santé non spécialistes sur la prise en charge d'une pathologie. C'est notre obligation d'en rédiger. C'est un gros travail à chaque fois, mais la filière aide à la rédaction et à l'organisation de ces PNDS. Des livrets, des brochures, des vidéos, plein de choses sorties, des bandes dessinées, des films, tout ce qui peut aider à communiquer et à informer les patients, leurs familles, les professionnels, etc. Okay. Des podcasts, bien sûr, toujours mot de tête, disponibles sur toutes vos plateformes habituelles de téléchargement de podcasts, avec une nouvelle saison qui est en cours et des idées pour la saison suivante. Donc, vraiment, écoutez-les, hein, c'est très bien. Et une communication sur les réseaux sociaux, quotidienne, je dirais, ou quasiment, avec une veille et des infos sur toutes nos actions et toutes celles qui pourraient vous intéresser. Les outils d'information et de formation, donc nous avons délibéré fin septembre, et je vais avoir le plaisir d'annoncer, de montrer le nom des lauréats qui ont été retenus, puisque la délibération était récente. Donc ces outils sont destinés aux centres de maladies rares, aux chercheurs, mais également aux patients et à leurs familles, aux associations de malades, pour communiquer sur une pathologie avisée et avec un public très varié. Ça peut être le grand public, ça peut être des professionnels de santé. On favorise bien sûr les projets qui ont une vocation, une dimension nationale. Et cette année, voici les heureux lauréats. Brochure d'information sur les fentes orofaciales, livret d'accueil pour le patient atteint d'une maladie rare dentaire, livret d'information pour les enfants et adolescents porteurs d'une craniosténose dans le cadre scolaire, vidéo « Protéger le sourire », livret d'accueil pour les enfants avec facio-craniosténose, oreille en 3D pour apprendre à conformer les pavillons, et enfin un livret de maintenance implantoprothétique pour les hygiénistes dentaires. Bravo, merci beaucoup. Le tri a été intéressant à faire, puisqu'il y a vraiment toujours plein de projets qu'on nous soumet. Quelles actualités ? Alors, le quatrième plan national maladies rares, vous savez, c'est le plan émis par l'État. Donc, ce quatrième est sous la responsabilité et l'organisation d'Agnès Linglart et de Guillaume Canot. C'est le plan qui détermine les grandes lignes de la prise en charge des maladies rares en France. La France étant un des pays avec le plus d'avance dans l'organisation de la prise en charge de ces maladies rares. Vraiment, on est parmi les pionniers mondiaux, avec le meilleur réseau, les réseaux de référence, les filières d'ailleurs, qui essaient de commencer à vouloir copier, ou en tout cas s'inspirer de notre expérience, beaucoup de réseaux européens notamment. Ce quatrième plan, alors ça va, c'est une diapo officieuse, avec quelques idées semi-officielles, on va dire, avec des idées de pistes, des thématiques qui seront prioritaires, renforcer le maillage territorial, donc ça c'est une thématique qui tombe à pic pour cette journée aujourd'hui, diagnostiquer les personnes de la meilleure manière possible, innover les traitements et enfin renforcer la collecte. Il y a un effort qui devrait être fait a priori sur toutes les bases de données et l'enregistrement des données biologiques et cliniques. Ce quatrième plan maladies rares, il était annoncé pour février dernier, mais à la suite de retards habituels et de changements de ministre notamment, il n'est toujours pas sorti officiellement et devrait arriver théoriquement en décembre ou en tout cas début 2025. On l'attend avec impatience pour savoir quels seront nos objectifs prioritaires pour les années à venir. Va
Très prochainement arrive également la relabellisation des filières et donc de notre filière avec la date de limite de dépôt des candidatures donc en décembre prochain. Ben, on vous tiendra au courant puisqu'on va effectivement mettre au point ce gros dossier et une réponse a priori en mars prochain pour savoir si notre filière sera relabellisée. Prochains événements, donc là aussi en recoché, la recherche en tête, 21 novembre prochain sur la trachée artère. Recherche et innovation, 7 mars prochain, la journée donc avec des appels à communication qui arriveront. Et la prochaine journée, dont on a déjà la date, hein, le 10 octobre 2025, dans un an, et qui aura lieu a priori ici également, l'Institut Imagine. Le programme d'aujourd'hui, vous l'avez tous, il est disponible encore une fois sur le site. Les liens ville-hôpital, avec d'abord la restitution de l'enquête hein, par Claire Chevgès. On a envoyé avec les données qui seront intéressantes, le point de vue de l'ARS Grand Est, Séverine Daven, Valérie Stévens, le point de vue du médecin généraliste, Francis Abramovici, le point de vue de l'hospitalisation à domicile avec Edith Gadebois, le point de vue de la communauté professionnelle territoriale de santé, CPTS, Marie-Laure Albi, et enfin le point de vue de la Fédération des acteurs de la coordination en santé et du DAC, un dispositif d'appui à la coordination par Sylvie Lenné. On enchaînera après par une table ronde. N'hésitez pas à poser des questions, hein, puisque sur le site, vous avez à la fois la manière de répondre à nos petits quiz, et il y aura un dernier quiz à la fin de ce topo. Mais posez des questions en direct, hein, bien sûr, on les relaiera et on les posera aux différents intervenants. À cette table ronde s'associera Laetitia Blanchet, qui est une représentante de Vaincre PRR, une association de malades avec laquelle on travaille beaucoup. Enfin, une pause déjeuner, et cet après-midi, à l'oral dans ce cas-là, les rencontres spécifiques des associations et de 4 de nos 5 réseaux, avec les équipes médicales qui se rencontrent. Ce sera dans l'hôpital Necker, tout près d'ici. À nouveau, le QR code et la possibilité de répondre à un petit quiz. J'espère qu'il y aura une écrasante majorité de oui, sinon cette journée a moins de sens. Hein. Est-ce que vous pensez que le lien actuel entre médecine de ville et médecine hospitalière soit suffisamment développé? Oui ou non? Comment ça, oui? Merci beaucoup. Je vais appeler donc la première intervenante, Claire Chevgès, pour la restitution de l'enquête Tête-Cou. Merci par avance d'être présent ici et d'être présent en ligne. Merci beaucoup à tous les intervenants, je le redirai tout à l'heure, mais d'être déplacé pour être là aujourd'hui. Je rappelle que j'invite tout le monde à respecter son temps de parole, ce que je crois que je n'ai pas fait moi d'emblée, donc j'en suis désolé. Mais vraiment, c'est important, je n'hésiterai pas à faire signe si vous dépassez beaucoup, comme il y a beaucoup d'interventions. Merci, passez une très bonne journée, une très bonne matinée dans notre compagnie et une très bonne journée.